Y'a plein de potes, vous avez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième sur Modern Warfare 2. Une intro un peu à l'extérieur comme ça, voilà, regardez. On est là, on est dehors, il fait beau. L'event vient de se terminer, voilà, l'event vient de se terminer. Et je tourne cette intro parce que je veux vous expliquer un petit peu dans celle-ci le contexte de ces gameplays. En fait, j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, donc j'ai pas pu faire de live gameplay comme je voulais le faire. À savoir, tu sais, balancer la cam et parler en continu tout en jouant et en enchaînant des gros trucs. J'ai dû très rapidement me mettre à stream, d'accord? Et dès que ensuite j'ai pu me mettre à stream, j'ai pu rentrer des grosses games, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc vous avez cliqué sur des très gros gameplays. Et en plus c'est des gameplays, même si je les ai joués en stream, faut savoir quand même que je les ai un petit peu tournés comme si c'était une vidéo. Donc à l'intérieur je réponds à des choses, je donne des indications, je même me contredis par rapport à la première vidéo sur certains trucs. Enfin je me corrige plutôt, c'est mieux de dire contredit. Donc même si c'est des gameplays issus de stream, vous avez bien kiffé. Je tiens juste à dire un truc, le micro est ok, mais pas dingo non plus, parce que bon, on nous a dit qu'on nous allait nous les fournir, on m'a pas dit que ça allait être des micros. Ah, qui était pas la qualité Netflix, d'accord? C'était pas la qualité Netflix du siècle. Donc pour être tout à fait honnête, c'est écoutable, mais on va pas bien plus loin que ça. Mais c'est suffisant. Donc enjoy, c'est mes deux vraies premières grosses games sur Call of Duty Modern Warfare 2. Je vous referai des vidéos sur ça, mais sur la bêta, que ce soit peut-être sur PS5 ce week-end si je rentre à temps, ou alors sur PC quand ça viendra sur PC. Et je pense qu'en jouant chez moi dans un contexte un peu plus friendly et tout, j'arriverai à vous faire des vidéos un peu à l'ancienne, de live gameplay comme j'aime. Ça a resté quand même un bon event. Maintenant qu'il arrive à sa fin, je tiens à dire que c'était quelques jours très sympas à LA, en plus fait dans un contexte pas facile avec le torticolis. Mais bon, bref, voilà du blabla. Moi j'ai bien kiffé Call of Duty Modern Warfare 2 le multi, j'en parle un petit peu dans cette vidéo là. Il y a pas mal de choses qui me plaisent et je pense que ça continuera une fois le jeu complet sorti. Des gros bisous, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis ciao ciao. Après tu vois là elle vise vite en soi, parce qu'il y a un setup pour pouvoir avoir pas de recul, mais viser plus longtemps. Et vous avez eu le recul que je me tape? On fait le coup quand même, c'est cool. Je vais changer un truc. Le niveau est insane, ouais, le niveau est très fort. Là, dites-vous qu'on est vraiment dans des lobbies où le niveau est très élevé. Mais j'ai un peu du mal parce qu'avec le setup de M4 que j'ai, les long shots sont compliqués. C'est pas infaisable pour autant, mais c'est pas ultra simple non plus. Oh, le petit double pour Zach. Donc ouais, là, c'est un des premiers live gameplay que je peux faire. Je suis content. Franchement, le jeu, il est assez bien, il est assez cool. Comme je vous disais, ça ressemble pas mal à MW 2019. Mais il y a quelques petites nouveautés sympas, que ce soit dans les déplacements, dans le son des armes, enfin dans le son des pas que tu fais, tu vois. Genre c'est assez bruyant. Alors ça plaira pas à tout le monde, tu vois, j'ai pas encore le setup de classe idéal. Mais là par exemple, vous voyez, le truc que je viens de prendre, c'est une sorte de gros bonus que je viens de prendre. Donc là, oh, attendez, mais Zach il est dedans là. Zach est dedans les gars. En fait ce que j'ai pris c'est une sorte de boost, et c'est un boost, je suis full strict là. C'est une sorte de boost qui fait que je récupère ma vie plus vite et que je suis assez insensible aux grenades. Donc insensible aux grenades plus récupération de vie plus rapide. Il m'a fait peur. Ouais, si tu les fumes là, on est pas mal là. Et donc, genre dans ma première vidéo, vous allez voir, j'ai dit une bêtise. J'ai dit une bêtise à un moment où j'ai dit que... attends, on va caler ça, ça, ça. Où j'ai dit qu'on pouvait pas choisir ses atouts. Alors en fait si, totalement, on peut choisir ses atouts comme je vous ai dit, on peut se faire des classes d'atouts customisées, tu vois, où les deux premiers atouts, tu choisis ce que tu veux, tu choisis ton troisième, tu choisis ton quatrième, et tu peux aussi avoir séance de mort. Donc moi j'ai choisi le Battle Rage, donc Battle Rage c'est le truc dont je vous parlais, ma régénération de vie est plus rapide, c'est le truc en bas à droite là qui va bientôt arriver. Là regardez, je viens d'avoir tour de passe-passe là par exemple, tu vois, là je viens d'avoir tour de passe-passe. Ouh, je suis mort bien vite là. Donc je viens d'avoir tour de passe-passe et après j'aurai détermination, donc ce qui fait que j'aurai mes streaks plus rapidement. Et le Battle Rage, comme je l'ai dit, c'est pour la récupération de vie et les grenades, c'est plutôt pas mal, tu vois. Certains préféreront peut-être silence de mort en vrai. En vrai, je comprendrais que certains préfèrent silence de mort, tu vois. C'est un peu comme un mini spécialiste, ouais, c'est un peu comme ça, sauf que le système est intégré, tu vois, dans le jeu tout court, tu vois. Le jeu entier est comme ça en fait. Là, faut juste que je trouve un setup de M4 idéal parce que mon setup de M4 à moi, il lui a mis un peu trop de recul, tu vois. Est-ce qu'il y a la nuque? Aucune idée.
Je sais qu'il y a des grosses tricks, j'ai vu des mecs avoir un mitrailleur hélico, mais j'ai encore vu personne avoir la nuque. Faut aussi vous dire que la nuque c'est très compliqué à avoir, les gars. En réalité, peut-être qu'il y a un truc, mais pour l'instant j'en ai aucune idée. Monsieur. Ok, il a gagné son duel, c'est beau ça. On avance. Quelqu'un là-bas. Regardez, là j'ai pris mon Battle Rage. Je vais pouvoir avancer un peu plus vite, récupérer ma vie. Insensible au stun. Donc ça c'est un des avantages, tu vois. Le feeling des armes a l'air incroyable, ça va, il est assez bien. Après tu vois, genre... Ouais, je viens de spawn. Alors ça vous venez d'avoir l'exemple d'un spawn de cul. Voilà. Regardez un spawn de cul. Je viens de réapparaître. Le mec est déjà chez moi. Donc ça. Après ça, franchement, les spawns, ça va être le... Ça va être la galère d'Activision jusqu'à... Frère, ils réussiront jamais en fait. Mais je pense que sur un jeu... Sur un jeu comme Call of Duty, qui doit avoir des calculs en continu, t'auras toujours certains trucs qui feront un spawn de cul, tu vois. Je pense que les spawns parfaits n'existeront jamais. Tous les jeux, même Code 4 et tout, même les meilleurs Call of Duty ont toujours eu des spawns de cul. Ouais, petit kill, tranquille. On va retourner un peu en arrière. Je pense que ça va venir ici. Petite série de 3 pour Zach. On va avoir des mecs par là. Par là, là. Je te parie que ça va venir devant moi. Là par exemple j'ai détermination. Donc là ça y est, j'ai récupéré détermination et j'ai mes streaks plus facilement là, tu vois. Donc là c'est mon atout final, tu vois. Aïe. Oh le bâtard, il est sur moi. Chien. Je savais qu'il allait faire ça. Ce mec s'appelle Disknives depuis hier, il fait que d'essayer de cutter. Regardez. C'est un bâtard lui. Toujours il vient, il me fait ça. Il m'avait fait ça déjà hier. Oh 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 oh! Triple kill, force Aknani! Ah! Ça c'est de la game! Voilà! Première game, grave sympa, j'ai pu vous parler des atouts. 75-74! On gagne grâce à moi! On gagne grâce à moi! On gagne grâce à moi, frère! 75-74! Putain, mais lui il s'est régalé, frère! 18-6, voilà, ratio de 3. Bah, ça fait plaisir. Franchement, le jeu, pour l'instant, j'aime bien. Les feelings MW 2019 sont réels. J'aime bien les déplacements, j'aime bien les maps. En tout cas, franchement, je tiens à dire que les maps sont vraiment cool. Donc, regardez la 474U. Pour l'instant, sur la 474U, on peut pas mettre de... On peut pas mettre de... d'accessoires. Et la 474U est maintenant considérée comme un fusil d'assaut. Personne est sorti à gauche. Je jure que personne n'est sorti à gauche. Je suis allé dans le seul endroit où il y a Sunper, je suis mort. Les gars, je suis allé littéralement dans le seul endroit où il y a personne. J'ai fait flipper spawn. Elle a l'air nulle à chier cette map, t'es fou. C'est une des meilleures. Franchement, cette map elle est cool là. J'ai juste fait le tour comme un peu un. Ah merde, j'aurais dû aller au pont. J'ai juste fait le tour comme un mec pas très courageux, mais en vrai, elle est bien cette map. Moi, cette map, j'aime bien l'ambiance. Sinistre, il y a des mecs au-dessus là. Allez, monte. Wesh. Monte.
Le pompe, je vous le dis, il est puissant que le pont. Hein. No cap, les gars, le pompe il envoie. Pompe, ah ça c'est du pompe qui tabasse. Après au moins il est en arme primaire, tu vois. Genre faut faire le choix de prendre comme moi pour pouvoir avoir un secondaire, tu vois. Par contre je vais pas mentir, il est puissant. Première fois que je me jette. Le triple pour Zach. Le triple pour Zach Nani, je suis le flanqueur. Zach de la team flank. Non, faut. Comme je l'ai dit, faut vraiment faire l'effort de prendre l'atout et tout pour pouvoir être. Le frère, il croit que je l'ai pas entendu. Le frère pense que je l'ai pas entendu. Là les gars, on est en train de faire un bon début de partie là. Un peu calme, je suis pas trop focus sur l'objectif, je vais pas mentir. Mais... voilà. On est en train de se tabasser là. Je stream pendant combien de temps? 2-3 heures encore. Donc là on est bien, et là c'est des gameplays qui iront sûrement sur ma chaîne principale. Donc dans la première vidéo, c'est une vidéo commentée, et le reste ce sera du live gameplay issu de stream. J'aurais aimé faire du live gameplay exclusif, mais je pense que ce sera du gameplay issu de live. On va en profiter un petit peu. Pour l'instant, je fais vraiment ma vie loin du point. C'est pas du tout une bonne chose. Mais bon. Ça va là, le micro, etc. Avec les bruits environnants, c'est... on est dans le hockey, quoi. J'espère que c'est écoutable. Après, franchement, la caillou, comme vous voyez, regardez, elle a un bon recul quand même. Hein. Je voulais sortir le pompe. On entend, mais ça va. Ok, ok, nickel. Content d'apprendre que ça va. Hop, hop, hop. Vous êtes prêts ou pas? Grosse frappe. 3 kills minimum la frappe. Vous êtes prêts? J'annonce 3 kills. Triple kill. Quad kill! Quad kill, les gars! Entendu, bah bien sûr que si. Et pour ceux qui me demandaient à propos des bruits de pas, bah voilà, les bruits de pas c'est ça, on entend vraiment très bien. Par contre la KU de loin, ouais, c'est un peu chaud. Après c'est aussi mon shoot hein. Je reconnais que j'ai un shoot de poney hein. Je reconnais qu'il y a... Vous pensez que c'est la KU qui est chaude ou Zach qui a un shoot de poney ou un mix des deux? Moi je pense que c'est un mix shoot de poney et Zach. Hein. Non, il y en avait un autre dans mon dos. Les deux, ouais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que c'est un peu des deux. Alors c'est dommage que là j'ai un box à munitions parce que j'aurais pu avoir, comme je l'ai dit, la Battle Rage ou alors même Silence de mort. Et Silence de mort c'est comme ça que tu l'as dans, en bonus. Wesh, il lui a fallu beaucoup de mal là, notre monsieur, pour crever. Ah, on fait une bonne partie, je suis content. Il y en a au-dessus de moi. Ils sont tous au-dessus de moi. Ils sont tous au-dessus de moi, faudrait que je fasse le tour. Il sait que j'arrive. Ah, il savait que j'arrive, le bâtard.
Si on se fait à Pimgeek, la K74 c'est chaud. Bah en tout cas elle est bien, hein, elle est juste chaude à utiliser. Et pour l'instant comme je l'ai dit, je peux pas mettre d'accessoires dessus. Et vu que je peux pas mettre d'accessoires, bah c'est vrai que ça me biaise. En vrai il y aurait moyen de lui enlever un peu de recul, c'est sûr. Premier kill. Non, moi je l'aime bien la carte tout à l'heure, non, il a dit qu'elle avait l'air éclatée, mais franchement je suis pas d'accord. Plus 50 assists, Zach il rentre même pas dans le point. Allez, on rentre dans le point. Je me mets ça, hop, ça va arriver en face, donc je récupère ça, je jette une Semtex là-bas. Et ensuite on commence à sortir du point parce que de toute façon on a trop d'avance, et on vise là. Ouais, en vrai quand tu prends le temps de t'appliquer sur ton shoot, ça peut aller. Le double pour Zach. Petit UAV, on avance. Série de 4. On est plutôt pas mal là. Là franchement la K74 elle démonte. Hein. Ah je suis content de cette game là. Vous voyez, je suis content de cette game. Pour Zach Nani, le triple du 15. La série, les gars, mais on est dans une série de Zaza. C'est Zach du Slay ou pas? C'est Zach du Slay ou pas, les gars? C'est Zach Mèche Blonde ou pas, les gars? Oh, j'ai failli aller le baiser bien fort. Ah là, c'est Zach Mèche Blonde, là. Hein. Les mèches caramel, frère. On est vraiment en train de faire du sale, là. C'est énervé. Petit kill encore. Là, pour l'instant, on se régale. Hein. Cette petite session AK-74U passe vraiment bien. Je rentre pas dans le point, mais c'est parce que je suis un petit bâtard. Ouais, je pense qu'avec une petite poignée, un truc comme ça, la KU va être encore mieux. T'sais, avec moins de mouvement, moins de trucs, là, ça va être encore mieux. Voilà, franchement, j'avoue, j'ai aussi la bonne équipe. Là. Dommage, j'avoue que je suis vraiment dans une bonne équipe. Là. La map est jolie, ouais, la map est vraiment jolie. Là, pour l'instant, les défis des camos gold, j'en ai aucune idée. On n'y a pas accès, je crois, aux camos pour l'instant. Donc, je peux pas trop te dire si je le trouve ça dur ou pas. Mais par contre, un truc que je peux vous dire, c'est que les accessoires, et je jure, faites-moi confiance. Oh là 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 là, le double. Les accessoires ont des camos. Oh, j'ai failli faire le quadra. Vous avez vu ça? Oh là 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 là, je kiffe. Franchement, quand les parties sont comme ça, là, tu peux que kiffer, frère. Ouais, quand les parties sont comme ça, tu peux vraiment que kiffer. Map compétitive ou pas? Aucune idée. Si celle-ci, elle se prêterait pour des trucs ou pas. Oh, le double. Grosse game! C'est ce qu'on veut! Grosse game! Bah ouais, les gars. Je disais quoi pour les accessoires? Ah oui, frérot. Bah, en fait, les accessoires, ils ont un camo. Genre, tu peux avoir des camos d'accessoires. Genre, tu peux avoir par exemple des camos pour un accessoire en particulier. Donc, pas mal. Oh là là, la grosse game est énervée là. 38-7. Et bah voilà. On voulait rentrer les gros gameplays. Vous les vouliez. Vous vouliez du gros gameplay. Je vous les donne.